Alors bonjour, bienvenue sur Recette québécoise encore une fois. Aujourd'hui, nous allons manger une truite grise massaoui. Alors, je vous invite à venir voir les ingrédients. Ici, nous avons une belle truite grise de 5 livres. Ensuite, nous avons ici des tomates raisins. Nous avons des amandes fumées. On a de l'ail, on a de l'huile, on a du citron. J'en ai gardé un justement pour la décoration. Un orange, je vais avoir besoin aussi du zeste d'orange. Et puis j'avais oublié de dire aussi, bien sûr, le sel et le poivre, ça, on y va au bout. Alors à ce moment-là, ce que je fais pour commencer, de l'huile de canola, je le mélange tout de suite avec l'ail. Je mets le poivre au bout, je vais le mettre directement à l'intérieur. On va brasser tout ça. Bon gros sel. Ensuite, on brasse l'huile avec l'ail et puis je vais aller y insérer ça à l'intérieur. Ça va y donner vraiment un bon petit goût. Ensuite, avant j'ai pris l'aluminium, j'ai mis de l'huile dessus aussi pour être sûr et certain que le, premièrement que la peau ne colle pas. C'est sûr que ça va coller quand même. Là. Regardez-moi le beau morceau. Ça là, c'est merveilleux. Ensuite, on y va vraiment avec les noix. On en met partout. Ça, il ne faut pas avoir peur là, d'y aller avec ses doigts. Ensuite, on va y aller avec c'est ce qui reste ici. Il y en a plusieurs qui le mettent sur le charcoal l'été. À ce moment-là, ben, on double le papier d'aluminium. On y va avec les échalotes. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Là, il va avoir vraiment un bon goût. Alors maintenant, le zeste d'orange. Donc à ce moment-là, on y en met dessus. Pas avoir peur parce que ça va donner vraiment un bon petit goût. Je vais y en mettre un petit peu ici à côté. Ça va m'aider à pouvoir y en insérer à l'intérieur. Et puis, le reste, je vais tout simplement le couper en tranches. Et puis par la suite, je vais lui mettre à l'intérieur. Maintenant, on y va à l'intérieur avec le zeste d'orange. Et l'orange, bien sûr, moi je vais le faire en deux. Ensuite, on va couper des belles tranches, aussi simple que ça. Comme ça. Je vais y insérer des quartiers d'orange à l'intérieur. Pas y en mettre une tonne parce que je l'ai rempli pas à peu près. Et puis, on y met des tomates à l'intérieur, comme ça, un peu partout. Et voilà, avec le papier d'aluminium, là, on va réussir à refermer le tout. Je vais le replacer dans deux petites secondes. En même temps, pourquoi pas? On va être dedans. Une belle petite tomate dans la bouche. On fait ça avec des chevreuils, avec des pommes. Alors, pourquoi pas un poisson, un petit morceau de tomate? Alors, je vais tasser le tout. J'ai badigeonné un autre papier d'aluminium tantôt, justement pour recouvrir le dessus. C'est le même principe. On le rabrille. On referme le tout. On le met à ce moment-là au four à 375 au centre. Et on s'arrange que ça soit vraiment bien fermé. Pour être sûr de ne pas avoir de problème, on va rabrayer la queue après. Et puis, on va y rajouter quelques petites tomates. Et pour terminer, on replace les tomates à l'intérieur, bien comme il faut, pour être sûr. Maintenant, et puis, on n'oublie surtout pas le citron qui va donner vraiment un bon petit goût. Alors, ceci, comme ça. Avec un petit papier d'aluminium, vu que c'est de tout à bétail. Alors, on referme ce côté-là comme faut. Ça, c'est bien fermé. Allez. Au four, au centre, à 375. Et puis, la cuisson est partie. Et voici notre truite grise
après 30 minutes au four central à 375, on a décollé comme ça. Par la suite, on l'a baissé à 350 pour une période exactement de 45 minutes, un total d'1h15 parce que on s'entend que c'est un poisson entier. Et puis, toujours dans la papillote, bien fermée, et on ne l'ouvre pas pour qu'elle ne perde pas son humidité. Alors, à ce moment-là, ça a pris exactement 1h15 pour un beau poisson de 5,5 livres. Alors, recette québécoise vous dit